Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Il y a 15 ans, Beneteau réinventait le concept du trawler pour concevoir une gamme taillée pour le grand voyage, une gamme qui est devenue depuis leader mondial de ce marché. Autonomie, confort, vitesse, ces bateaux ont très rapidement finalement conquis des navigateurs chevronnés et qui sont en plus très attachés à cette marque, comme en témoignent par exemple les Swift Trawler Rendez-vous. Ce sont des rassemblements de propriétaires le temps d'une journée ou d'un week-end. Alors pour évoquer ensemble cette success story, m'accompagne aujourd'hui Mathilde Tertrain. Bonjour Mathilde. Bonjour Stéphane. Chef de produit Swift Trawler et Yannick Aimé. Bonjour Yannick. Bonjour Stéphane. Directeur du développement commercial pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique de la marque Beneteau. Yannick, d'ailleurs, je voudrais commencer avec vous. Vous nous rappeliez un peu quelle était l'ambition de Beneteau en 2004, donc ça fait un peu plus de 15 ans maintenant, en lançant cette nouvelle gamme inspirée des trawlers. En fait, trawler à la base, ça veut dire chalutier. Oui. C'était un peu aussi, on avait une expérience de construire des bateaux de pêche, tout ça. Oui, Beneteau a commencé comme ça. Et Beneteau a commencé comme ça. Ouais. Et en fait, il a fallu à un moment essayer de chercher un autre marché. Avec, il y avait une niche qui était ces bateaux de voyage un petit peu, qui était le trawler. Et nous, c'était traditionnellement des bateaux assez lourds, quoi. C'était des bateaux lourds à fort déplacement et qui naviguaient pas très vite. Ouais, et on est arrivé révolutionnaire dans cette gamme en 2004 en lançant le trawler 42, mais ça s'appelait le Swift Trawler. Donc, on a créé un bateau qui était avec un déplacement plus rapide, une carène plus planante et qui permettait justement de naviguer en croisière au-delà de 20 nœuds si besoin avec ce type de bateau, ce qui était révolutionnaire pour ce concept à l'époque. Avec un confort exceptionnel, en plus. Bah, le confort du trawler, c'est un mixte entre le voilier, l'espace d'un gros bateau moteur. Et c'était l'avantage que proposaient ces bateaux-là pour vraiment découvrir le voyage qui est très important dans cette gamme-là. Alors Mathilde, tout à l'heure, on va découvrir un nouveau venu de la gamme, le grand trawler. Mais je voudrais que vous nous disiez d'abord quelques mots sur les cinq modèles Swift Trawler qui vont de 11 à 15 mètres. Comment elle a été conçue, cette gamme, finalement, pour satisfaire l'étendue la plus large de clients? Alors aujourd'hui, la gamme, elle se compose de plusieurs modèles. On a le Trawler 35, le Trawler 41 dans une version fly, dans une version sedan, le Trawler 47 et le Trawler 50. Cette génération, en fait, elle a été lancée en 2016. Donc on a eu le temps de capitaliser, d'avoir beaucoup d'informations depuis 2002. Et il y a des choses importantes qu'on a dû transmettre, qu'on a dû ancrer sur le marché. Et notamment deux gros points qui sont la sécurité et le confort. Donc à travers la sécurité, on va parler de la carène qui doit être navigable, fiable. On va parler aussi de l'autonomie, du rendement. Et puis, à travers le confort, on va parler de l'ergonomie du bateau, de la sécurité aussi des équipements, de la conception, et puis des espaces et des volumes dédiés à chaque moment de la journée. Quel est le profil de ces heureux propriétaires de trawlers, finalement? Je disais tout à l'heure en introduction, ce sont plutôt des navigateurs chevronnés. C'est ce qui les caractérise? Exactement. En fait, on est sur des gens qui, les deux tiers de nos clients sur trawler, ça fait plus de 15 ans qu'ils naviguent. Ah oui, effectivement. Donc, ils connaissent parfaitement la mer. Il y a deux profils qui se distinguent. Il y a ceux qui viennent de la voile, qui sont fatigués de tirer des bords ou qui n'ont plus l'envie. Et donc, ils retrouvent à travers la gamme Swift Trawler, prendre son temps. Slow finalement. Life. Exactement, ouais, ouais. Comme à la voile. Mm-hmm. Ils ont aussi cette notion de consommation. Et avec toutes les caractéristiques de la carène d'un trawler, voilà, ça se ressemble. Ils sont conscients de cette consommation. C'est des gens qui étaient sur quel type de bateau, finalement, avant? Alors, après, on va avoir un autre profil, exactement, qui, ça va être comme un tronc commun de petits hors-bord. Ouais. On va passer du semi-rigide au flyer et principalement, chez nous, des Antares. Mmh. Et puis, ils vont évoluer et puis ils vont prendre conscience de ce qu'ils veulent vraiment. Et on va arriver sur la gamme trawler pour prendre son temps avec du grand confort. Oui, parce qu'on peut faire des grandes distances avec. Hein. C'est le principe des trawlers. Hein. Ça peut aller jusqu'à combien, Yannick? Bon, aujourd'hui, les bateaux, ils vont par exemple facilement en Méditerranée. Ils traversent pour aller en Corse, pour aller aux Baléares. Mmh. C'est des bateaux qui peuvent avoir une autonomie jusqu'à à peu près 300 à 400 milles sans problème. D'accord. Donc, c'est l'avantage justement de cette notion de voyage, ouais, c'est ça. Parce qu'à vitesse moyenne, on arrive vite à parcourir de grandes distances. Oui, le propriétaire trawler ne fait pas des ronds dans l'eau. Et lui, il part pour le voyage, quoi.
C'est ça. C'est ça. Alors, hein. Oui. Il va caboter. C'est quelqu'un déjà, comme l'a dit Mathilde, qui navigue, donc qui aime beaucoup cette notion de navigation. Mais c'est pas des gens qui vont faire des sorties à la journée. C'est des gens qui vont justement programmer des croisières. Donc un peu, comme on part en voilier, on va faire la même chose en bateau moteur. Et troller, c'est vraiment l'esprit. Alors tiens, pour illustrer vos propos, on est allé à la rencontre de deux clients fidèles, Claude et Brigitte. Ils sont propriétaires d'un troller 44. Ils se sont rencontrés il y a longtemps sur la course croisière de l'EDEC, une course réservée aux étudiants. Et ils nous racontent justement leurs expériences de navigation. Écoutez-les. Bonjour, je m'appelle Brigitte. Je m'appelle Claude et nous sommes tous les deux les heureux propriétaires d'un Swift Troller 44 que nous possédons depuis 2014. Je reconnais que c'était le bateau qu'on avait trouvé comme le plus convivial et qui nous correspondait, qui nous permet de recevoir du monde et puis qui nous permet de partir assez loin. Je n'ai jamais eu peur sur ce bateau. Il passe bien dans la mer, il est vraiment agréable en navigation. Depuis qu'on a ce bateau-là, mais même ceux d'avant, la période de navigation, c'est à peu près 2 mois, et on s'en va tous les deux. On se promène. Il nous arrive de retrouver des amis sur les parcours, que nos enfants même nous rejoignent pour régulièrement. Ben, on se retrouve tous ici, on passe nos vacances ici. Quand on part, en fait, on ne sait pas vraiment pour combien de temps on part. On part fin mai, et en fait, on ne se fait pas un planning à la journée. Selon les opportunités, on reste une journée, 2 jours, 3 jours. Si la météo nous impose de rester 4 jours au même endroit, on restera 4 jours au même endroit. Et on navigue que pour le plaisir et on vient quand on a estimé qu'il était temps de revenir, mais souvent à contre-cœur. Depuis qu'on a ce bateau, c'est-à-dire cet été, on a fait un peu plus de 7000 milles. Donc on fait en moyenne 1000 milles par an, 110 heures par an à peu près. Régulièrement, on fait Jersey, Guernesey, Origny, Saint-Malo. Quand on traverse, on a fait l'île de Wight, les îles Scilly, et on a fait l'autre partie, qui est des îles Scilly, où on est remonté pour venir jusque Londres. L'arrivée sur Londres, c'est magique. On a fait tout le golfe du Morbihan, l'île de Ré, Oléron, La Rochelle, on est remonté sur Rochefort, on a fait l'Espagne. On est allé jusque Vigo. Moi, mon rêve, j'en ai deux. Le premier, ce serait de descendre en Méditerranée et de faire la Corse, l'Italie, la Sardaigne. Et le deuxième, ça serait tout à fait l'opposé, c'est de remonter sur les pays nordiques. Ça deviendra peut-être un projet. Oui, c'est pas impossible. C'est pas impossible. On a toute la vie devant nous, finalement, on pourrait résumer après ce qu'on vient d'entendre, c'est ça, en fait. Il y a des projets sans en avoir, quoi. On part à l'aventure. C'est une deuxième maison. Si on prend le temps de vivre, je crois. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Ils ont envie de profiter de la vie, c'est ça, en fait, la caractéristique des propriétaires. Oui, c'est exactement ça, la liberté. Ouais. En fait, ils programment leur voyage depuis longtemps, mais il n'y a pas de... Comme les clients le disent, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de timing, on se laisse aller et puis on va aller faire une navigation côtière, traverser et découvrir de nouveaux paysages et prendre son temps, toujours. Alors je voudrais que vous parliez, Yannick, des Swift Troller Rendez-vous, parce que ça c'est une des particularités de la marque, c'est son côté communautaire. Ça ressemble à quoi alors ces rendez-vous ? Bah déjà ça a une histoire, les Swift Troller Rendez-vous, c'était le rassemblement troller à la base, c'est comme ça que ça s'est appelé. C'est né à Marseille, d'accord. En 2012, par quelques propriétaires qui avaient demandé à ce que la marque organise un événement spécifique. Et on a fait la première édition à Marseille avec 7 bateaux. Et de là est née une atmosphère, une ambiance, mais aussi un principe et qu'on a pu reproduire pour aller jusqu'à par exemple 30 bateaux à plusieurs éditions. Le principe, c'est de se retrouver sur 3 jours avec une partie, on va dire, festive, une partie de navigation qui est très importante et puis surtout des grands moments d'échange. C'est ce qu'apprécient aussi les propriétaires de trollers, c'est pouvoir apporter justement leurs expériences et la partager entre eux. Donc ce qui fait que on vit des grands moments à travers ça et on en organise 1 à 2 par an pour la marque.
Ça veut dire que ces rendez-vous, vous êtes au plus proche effectivement de vos clients, ça aide aussi à la conception des nouveaux, des futurs bateaux de la gamme ? Ah bah complètement. Ouais. C'est des gens qui connaissent parfaitement leur bateau. Ah oui. Hein, donc... Une personne, oui. Oui, exactement. Ouais. Et donc on a plein de choses à apprendre d'eux, de leurs expériences. On a aussi envie d'entendre ce qu'ils attendent pour le futur. Donc on va échanger avec eux. Après, c'est vraiment des petits moments entre nous. Hein. Le but, c'est vraiment qu'ils puissent se retrouver, etc. Mais c'est un grand moment pour le produit de vraiment avoir les retours de nos clients et de partager les futurs projets avec eux. Mais vous organisez, en dehors de ces Swift Troller Rendez-vous, il y a des groupes de travail, hein, c'est ça, qui sont mis en place. Ouais. Mais ils sont demandeurs en plus. Hein. Oui, ils sont demandeurs. Sur les salons, on va les convier, on va encore échanger sur ces projets avec les concessionnaires aussi. Et ils vont nous faire, on va leur montrer des dessins, ils vont nous faire des commentaires, ils vont nous dire ah moi j'aurais plus vu ça comme ça, c'est comme ça que je l'utilise, etc. Donc c'est très enrichissant. Et puis ce sont des propriétaires qui font des suggestions qui restent finalement dans l'ADN de la gamme, c'est ça en fait, parce qu'ils la connaissent parfaitement bien. Exactement. Ouais. Mathilde, je voudrais qu'on parle du nouveau modèle donc qui va enrichir la gamme Troller. On parle plus de Swift Troller, mais là de grand Troller, puisqu'on va atteindre une taille de 18 mètres avec le grand Troller 62. Et avant d'en parler, le mieux, eh bien, c'est de le découvrir en image. Regardez. Voilà, donc ce grand Troller 62, à quel besoin finalement répond-il de la part des Alors c'est marchés. Vrai que en fait, on est dans tout va très vite aujourd'hui, ouais. Et c'était important de pouvoir offrir à nos clients le slow life. Donc c'est le luxe aujourd'hui, c'est de pouvoir s'offrir du temps, et ça c'était important de leur offrir aussi pour qu'ils puissent passer des moments entre amis, en famille, se retrouver. Il y a une petite phrase qui caractérise bien les trollers, enfin ce troller, c'est the destination is the journey. Donc c'est vraiment, en fait normalement il y a un point A, il y a un point B, et en fait là il n'y a pas de point B, c'est la destination, c'est le voyage. Donc c'était important d'offrir ça, de répondre à ce besoin en fait. Là c'est vraiment pour des croisières au long cours, quoi. C'est ça ? Ouais. Oui, ça peut être même une résidence principale demain. C'est vraiment un bateau qui est fait pour vivre. Comme on a pu le voir dans les images, vous avez vraiment un bateau parfaitement adapté à la vie, avec des vues sur la mer comme jamais on pourrait imaginer, avec des espaces qu'on n'a pas connus encore sur ce type de bateau.
Je crois qu'il faut noter que c'est le bateau amiral aujourd'hui Beneteau en termes de gamme moteur. On n'a jamais construit plus grand. Et ce bateau, il est parfaitement destiné au voyage et à nos propriétaires trawlers. On voit les images en même temps, mais rappelez-nous ses caractéristiques, en fait, finalement. Mathilde, d'abord son autonomie, forcément. Oui, ouais. Alors ça, c'est le premier point du Grand Trawler 62, et c'est nouveau pour la gamme Swift Trawler. On est sur une carène à déplacement. En fait, une carène à déplacement, sa spécificité, c'est qu'elle va pousser l'eau. En fait, le bateau ne va pas déjauger. Donc, on va pouvoir mettre des moteurs moins puissants. On va pouvoir avoir une autonomie plus grande. Et ça, c'est un point sur ce bateau. Et puis une carène. On est sur une autonomie, pardon, de quoi à peu près ? On va être à 900 000. 900 000, ouais. C'est assez important. Et puis aussi, sur une carène à déplacement, c'est beaucoup d'espace. Donc à l'avant, on va avoir beaucoup de volume. On a une carène, un bateau qui fait 5,45 m de largeur. Donc on peut imaginer l'espace à l'intérieur de ce bateau. Et puis, le deuxième point aussi, c'est l'espace à l'extérieur. On dit une terrasse sur la mer. Donc, c'est ce qu'on peut voir avec la plateforme à l'arrière, le cockpit et ce vitrage transparent en fait, qui fait une continuité sur l'eau. Il y a le flybridge aussi qui est très ouvert sur l'extérieur avec un flybridge qui est l'un des plus grands du marché. On va avoir 31 mètres carrés d'espace ouvert et c'était important de pouvoir offrir ça à nos clients. Le luxe simple, finalement, parce que les clients trawlers, c'est des clients simples et on a voulu faire quelque chose d'efficace, donc de riche aussi, puisque c'est un bateau qui va être construit en Italie dans nos usines à Montfalcon. D'accord. Notre usine à Montfalcon. Donc on va avoir le savoir-faire de Monte Carlo Yacht sur ce bateau. Et c'est vraiment un bel objet aujourd'hui et on est très fiers de ce bateau. Alors on en parle, mais il est présenté quand ? Il sort quand ce bateau ? On pourra le voir où et quand ? Alors durant le printemps, on va pouvoir faire des visites sur demande, des visites un peu exceptionnelles. Bon, on va pouvoir organiser dès la fin du mois de janvier au début février, ouais. En fonction bien sûr de la condition sanitaire, on va pouvoir organiser des visites à Montfalcon, donc pour voir le bateau encore en finition de construction. Mmh. Et puis au printemps, on pourra avoir des rendez-vous et se rapprocher de ses concessionnaires pour prendre rendez-vous qui se rapprocheront de nous, bien entendu, pour aller découvrir le bateau dans sa version définitive à flot et voir l'essayer. Très bien, on a hâte. Merci. Vous voulez rajouter quelque chose, Mathilde ? Oui, et puis du coup, après, on pourra le visiter sur les salons, salons d'automne. Quand tout sera redevenu à peu près normal. Exactement. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci, Stéphane. De nous avoir représenté cette gamme historique, cette success story donc, de trawler. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir.